Il est mieux pour dire tout et n'importe quoi. Je ne crois pas que ce soit moi qui vais oublier que je suis un Bantou et que par ailleurs, Maganga Moussa est mon parent. S'il lui plaît, dire ce qu'il veut sur moi et sur M. Akouri, qui est un citoyen honorable et qui fait son lit à l'admiration de tout le monde, il en prend la responsabilité, monsieur. Mais souffrez que je dois, moi, reprendre à mon compte cette lancé à l'emporte-pièce plutôt que c'est qu'autre chose. La différence entre M. Maganga Moussa et moi, c'est que lui est candidat déclaré à l'élection qui arrive. Moi, je ne suis candidat à rien du tout. Donc, je connais la politique qui est la mienne, qui est celle de l'opposition. Je la conduis avec respect de ceux qui sont en face, de ceux auxquels je suis opposé, parmi lesquels il y a beaucoup d'amis. Vous savez, le Gabon, c'est comme c'est le président Bongo, c'est une maison de verre où tout le monde se connaît. Moi, j'ai eu 40 ans sous les feux baptismaux. Je connais donc tout le Gabon. Tous les Gabonais me connaissent. Donc, je mesure mes mots. Je en bantou que je suis. Et à mon âge, on ne se permet pas de manquer de respect aux gens. Ce n'est pas l'éducation que moi j'ai reçue. Moi, j'ai reçu. Mais je vous dis une chose, l'opposition était là, elle était bien là, représentée par 40 membres, 40 chefs de partis politiques qui ont mené ces négociations sur un ton vivement apaisé, sur une convivialité que je n'ai jamais vue personnellement. On a encore le souvenir des accords de d'Angonjé où tous les autres disent tout ça. Et puis quand M. Maganga raconte qu'il a claqué la porte, non, il était avec nous. Il est sorti parce que personne n'en a voulu qu'il soit le chef de la délégation. Pourquoi il n'a pas le courage de dire ça? Pourquoi il raconte autre chose? Il était avec nous. Je peux vous montrer son badge. Il n'a pas claqué la porte parce qu'il ne voulait pas. Il a claqué la porte parce qu'il ne veut pas de lui président. On préfère M. Avert. On aurait préféré mettre Maïla, mais pas lui. Pour cela, il est parti. Où est le problème? La correspondance de la chaîne panafricaine Akativi Radio Gabon, basée aux États-Unis d'Amérique, vous offre sa plateforme de communication au Gabon à travers des reportages, plateaux spéciaux, couvertures d'événements, entretiens, documentaires et bien d'autres. La revalorisation de la culture africaine et bantou étant au cœur de nos actions, Akativi Radio Gabon est l'idéal pour promouvoir la richesse africaine qui fait notre particularité pour le bien-être de la convergence des forces. Elle constitue ainsi le socle de l'Union africaine à travers la politique, l'économie, le social et la renaissance africaine. Nos contacts 065 17 02.